Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 17 de Hachette Collection en pâte Fimo. À l'intérieur, nous avons un scalpel et un pain de Fimo de 25 grammes couleur violet et tous les tutos du magazine. Puis, il y a l'interview de Sandrine Cassimini à l'intérieur. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'ai décidé de faire les tutos de la petite Kokeshi, noir et blanc. Donc je commence par prendre du noir, je forme un cylindre. Je coupe l'excédent, comme ceci. Et je prends de la Fimo Effect couleur argentée. Je viens faire un boudin que j'aplatis. Je coupe les excédents. Et je positionne la ceinture bien au milieu. Je coupe et je viens souder un petit peu avec mes doigts. Puis je forme un nœud pour positionner à l'arrière. Comme ceci. Puis je forme deux fines bandes que je coupe à la même hauteur. Je viens couper à l'intérieur un V dans chaque bande que je positionne derrière la petite robe et je place le nœud. Je prends ensuite une tige de clou, puis je forme une boule pour la tête en chair. J'ai mis un petit peu de fimo liquide et je positionne la tête. J'ai pris encore de la fimo liquide que j'ai tapoté au niveau des yeux. Pour les yeux, j'ai décidé de les faire comme sur le modèle, mais en fimo. Donc je positionne un fin boudin que je mets en forme. Je fais pareil de l'autre côté. Et je forme de tout petits boudins pour les cils. J'en fais 3 à chaque œil. Puis je viens colorer les joues avec mes pastels secs rouges. Puis j'ai formé un petit cœur en rouge pour pouvoir faire la bouche. Donc, je la positionne avec mon outil en silicone et je passe en pré-cuisson 5 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est pré-cuit et refroidi, j'étale une fine plaque de noir que je viens positionner sur la tête pour faire les cheveux. Je coupe les excédents. Je viens souder tout ça. Puis je forme la frange, donc une bande. Je viens couper un V à l'intérieur, comme ceci. Je viens la souder au reste de la chevelure. Je prends mon aiguille et je viens former plein de petites lignes. Je prends de la fimo liquide et je forme deux boules que je positionne pour les petits chignons. Je viens couper un triangle avec ma lame droite. Donc j'ai choisi du rouge pour faire l'éventail. Et je forme un tout petit triangle que je positionne à coller à l'éventail. Je forme des petites lignes. Je mets un peu de fimo liquide et je positionne l'éventail et je rajoute une petite boule de noir pour terminer l'éventail. J'ai décidé de rajouter une petite rose dans le chignon en couleur argentée. Puis je passe tout ça en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà le résultat final. Donc mon avis sur ce numéro 17. Donc j'ai bien aimé le matériel, donc surtout le scalpel, qui est pour moi un indispensable. J'ai bien aimé aussi l'interview de Cassimini, parce que j'aime beaucoup cette youtubeuse.
J'ai un peu moins aimé les tutos à l'intérieur, donc je lui donnerai une note de 9 sur 10. Donc dites pas en commentaire si vous avez ce numéro 17, ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!